Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler direction du véhicule. Pourquoi il est important de parler direction du véhicule? C'est dans vos toutes premières heures de conduite et ça vous suit du début jusqu'à la fin de votre formation. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car elle pourra vous faire gagner un temps précieux sur vos premières heures de conduite et vous pourrez avancer plus rapidement. Pour tourner cette vidéo, nous sommes sur le toit d'un parking. Rien de mieux qu'un parking pour pouvoir apprendre à diriger son véhicule. Comme sur un circuit automobile, il faut tourner, tourner, répéter. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Je vous emmène avec moi et on va voir ensemble cette compétence. Alors, on se retrouve à l'intérieur de l'habitacle pour voir ensemble comment manipuler le volant. Alors, on va commencer tout de suite avec le volant. Partons du principe que vous avez fait l'installation au poste du conduite. On va donc voir maintenant comment on manipule le volant avec les mains. Donc, dans un premier temps, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Manipuler le volant à une main, manipuler le volant en bas, les mains en bas. On va voir qu'il ne faut absolument pas ou le moins possible utiliser la partie basse du volant. Maintenant, on va voir ensemble qu'il faut manipuler le volant selon différentes façons lorsqu'on aborde la route. Vous allez avoir la ligne droite, vous allez avoir les courbes, les virages et les tournants. Alors, on va commencer par la ligne droite. Donc, comment mettre ses mains? Eh bien, pour une ligne droite, vous avez ici l'emplacement des pouces, ici, un petit espace pour mettre ses pouces. Donc, eh bien, on positionne ses mains de part et d'autre pour être bien une main l'un en face de l'autre, l'une en face de l'autre, pour pouvoir rouler tout droit. Si je vous mets les différentes courbes, je vous ai mis les différentes courbes en image. Si on va engager une petite courbe légère, bon, à droite ou à gauche, on va disposer ses mains comme ça, toujours comme si on prenait une ligne droite. Alors là, ça va se corser un peu. Si on va commencer à prendre un virage un peu plus serré, donc là, on passe en tournant. Donc, un tournant à gauche, on va disposer, faites comme si c'était un cadran horloge. On va simplement parler de midi parce que si on rajoute trop d'heures, on va se casser la tête et on va un peu s'emmêler les pinceaux. Donc partons du principe qu'ici c'est midi, le haut du volant c'est midi. Donc si j'engage un tournant à gauche, je vais remonter la main du côté où je vais tourner, donc ici à gauche, je mets ma main gauche à midi pour préparer mon virage et je vais tourner le volant lentement jusqu'ici, au niveau des commodos jusqu'ici. Ici est le repère pour ne pas aller ou aller le moins possible dans la partie basse du volant. Pour un virage assez simple, ça devrait le faire. Pour passer un tournant, où là c'est plus serré, dans des giratoires ou bien sur des tournants un peu en angle droit, vous allez devoir chevaucher. Là, ça se complique encore un petit peu plus. Alors, on continue comme si on allait à gauche. Donc, je remonte ma main du côté où je désire tourner, la main gauche, je la remonte à midi et je tire. Lorsque j'ai atteint mon repère pour ne pas venir dans la partie inférieure du volant, je viens coller ma main droite avec ma main gauche pour ensuite remplacer une main par l'autre et tirer le volant. Chose importante, on tire toujours le volant, on ne le pousse jamais. On tire toujours le volant, je tire et je chevauche. Une fois que mes mains sont croisées, je peux revenir mettre cette main droite à l'opposé pour récupérer le volant et tenir ma direction. Il est important de chevaucher, toujours chevaucher les mains et non ne pas faire ça. Je sais que en début d'heure de conduite, certaines personnes font ça, elles ont appris comme ça, mais non, puisque ça donne des à-coups à votre direction. Et pour avoir une direction fluide et agréable, pour une conduite confortable, il faut absolument chevaucher. Donc, je répète, pour le virage à gauche, je viens prendre ma main gauche pour la mettre à midi, je tire et je viens remplacer avec ma main droite cette main gauche qui se trouve ici. Je viens la remplacer et je la remplace l'une par l'autre. Il faut que mes mains soient le plus serrées possible. Il ne faut pas que je chevauche comme ça. Il faut que je chevauche les mains le plus serrées possible. Et j'y vais jusqu'à temps que je juge que la direction est bonne.
On va le refaire ensemble comme si on a la droite. Donc si je vais à droite et je prends un virage à droite, je remonte ma main droite à midi, je tire et une fois que j'arrive au repère, je viens remplacer une main par l'autre. Alors, c'est assez simple comme ça, à voix haute, et c'est assez simple de vous le dire, ça paraît simple. On va voir en circulation ce que ça donne. Alors les amis, on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne en circulation. Donc dans un premier temps, je vais entamer un virage à gauche, donc un tournant à gauche, presque en angle droit. Je vais mettre ma main gauche à midi, je vais commencer à tourner et lorsque j'arrive au repère, je viens chevaucher, remplacer mes mains l'une par l'autre. L'une par l'autre. Et je remets ma main à l'opposé. Pareil, je vais ici entamer un virage à gauche, je mets ma main gauche à midi et je tire. Je viens remplacer une main par l'autre, une main par l'autre et je mets ma main à l'opposé. Il est très important de ramener votre main à l'opposé pour garder la direction du véhicule. Il est très important de chevaucher les mains pour avoir une trajectoire confortable et fluide. Donc je vais entamer un virage à gauche, je mets ma main gauche à midi, je tire et une fois que j'arrive au commodo, je viens remplacer une main par l'autre. Alors, à votre avis, quelle chose est très importante pour pouvoir diriger son véhicule? Donc, on a vu ensemble que les mains ici et la manipulation du volant étaient très importantes, mais il reste une chose primordiale. À votre avis, qu'est-ce que c'est? La vision. Là où vous regardez, c'est là où vous irez. Si vous êtes focalisé par quelque chose, vous vous dirigerez dans la direction par laquelle vous êtes focalisé. Donc, gardez toujours votre regard mobile et ne fixez rien en particulier. Regardez là où vous voulez aller. On va faire l'expérience ici. Je veux me diriger vers la gauche. Vous voyez que mon regard va se porter vers là où je désire aller. Une fois que j'ai eu mon objectif, je commence à relâcher mon volant. Quand je dis mon objectif, c'est la direction que je souhaite prendre. Donc ici, je vais aller à gauche, je commence à braquer mon volant, je regarde où je veux aller. Par exemple, je veux les trois poteaux là-bas, en face de moi. Une fois que je l'ai, je commence à relâcher. Donc je vais aller en direction des caddies là-bas. Vous voyez les caddies qui se trouvent là-bas? Je regarde dans cette direction pour me diriger. Je regarde dans cette direction. Une fois que j'ai les caddies en face là-bas, vous voyez que je peux commencer à relâcher mon volant. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu, un petit commentaire, n'importe quoi si vous avez des questions. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt et merci d'avoir regardé celle-ci.